résidence chaleureuse au golfe d'Arcachon, où était organisée une coupe caritative du Lions Club pour aider et faire connaître un très beau projet. C'est aujourd'hui, président, sur le golfe d'Arcachon. Alors c'est une compétition au profit du Lions Club. Le Lions Club, tout le monde le sait, c'est une association caritative qui a des gros projets, notamment en faveur de la construction d'une maison de l'autisme. Et nous sommes très fiers et très heureux, comme d'habitude au golfe d'Arcachon, d'organiser ce genre de compétition caritative qui nourrissent les projets de ces associations caritatives qui font notre vie sociale à tous. La maison de l'autisme, qui va être réalisée, je dirais, d'ici 2 ans, a été décidée, souhaitée, parce que nous avons observé qu'il y avait beaucoup d'autistes dans la société. On dit qu'il y a à peu près 1% d'autistes, ce qui fait que pour le sud-bassin d'Arcachon jusqu'à Salles, il y a à peu près 1000 autistes. Et on ne s'en rend pas compte, c'est assez peu connu, cette affaire-là. Donc, Grégoire Germain, qui est l'ancien directeur de la clinique d'Arcachon, qui est très sensibilisé à ces sujets-là, nous a invités à aller dans ce sens. Nous avons eu la chance également d'avoir comme membre de notre club Julien Rossignol, le directeur de l'hôpital d'Arcachon, qui, dès qu'il a pris connaissance de ce projet, nous a offert un terrain sur les terrains de l'hôpital. Ce qui est un atout assez formidable, parce que trouver des terrains sur le sud-bassin, c'est pas très simple et c'est surtout très cher. Là, l'avantage qui sera gratuit. Voilà. Donc nous travaillons maintenant depuis 2 ans sur ce dossier. C'est un dossier très long, puisqu'il va falloir convaincre beaucoup de donneurs et de donateurs plutôt, et de gens qui vont nous apporter des subventions. Un investissement assez lourd qui va faire à peu près 3 millions d'euros. Et là, nous allons maintenant rentrer dans la phase de recherche de subventions, de recherche de mécénat. Le mécénat est très important, et de dons. Alors, les subventions, en général, elles arrivent d'administrations comme la région, le département, etc. Et puis ensuite, le mécénat, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à toutes les entreprises, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, de façon, en montant des dossiers, bien évidemment, de façon à demander des subventions, car ces gens sont généralement très dotés. Et ensuite, et surtout ici, localement, on va se tourner vers les dons. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à la population, et c'était la raison pour laquelle nous étions là cet après-midi au golf, pour nous tourner vers tous les participants et obtenir d'eux que, le moment venu, ils puissent nous donner un don pour payer la maison de l'autisme.